Cécile Dingo, les Cécile Dingotes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite boîte qui est toute mimi, toute mignonne. Regardez comme c'est mignon. Alors j'avais envie de couleurs, j'avais envie de voilà. Donc du coup, j'ai marqué une si belle amitié. Donc ça, c'est des petits sentiments qui m'ont été envoyés. Et du coup, la petite boîte, elle s'ouvre comme ça, hop, sur le côté en V, tac. Et là-dedans, on a une autre petite boîte que l'on vient retirer pour mettre un petit cadeau dedans. Voilà. On remet la petite boîte et tac, on ferme. Voilà. Donc j'en ai fait deux. J'ai fait celle-ci qui est un peu plus sur un petit thème enfantin. Ce sont les petites choses qui rendent la vie si belle. Voilà. Et pareil, elle s'ouvre comme ça. Et là, on a la petite boîte que l'on défait et que l'on remet dedans. Voilà. Donc, on va la faire ensemble. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée. Alors, des boîtes, en veux-tu, en voilà. Vous inquiétez pas, j'en ai encore plein sous le pied des boîtes. Des boîtes. Et ben voilà, en voilà encore une boîte. Et oui. Alors, cette boîte, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et dedans, on a une autre petite boîte pour venir y mettre des petits chocolats, un parfum, un petit bijou, tout ce que vous voulez. Vous mettez un petit papier de soie au fond. Tac, on ferme la boîte et c'est nickel. Voilà. Et ben du coup, on va la faire ensemble, la boîte. Des boîtes. Alors, on va déjà commencer par la petite boîte intérieure. Alors, évidemment, j'ai pas changé ma lame. Voilà, Sylvie. Hop, j'ai fait ça tard hier soir et j'ai pas vu qu'il y avait des petites cacahuètes autour. Voilà. Enfin, comment ça s'appelle? La lame, elle coupe. Enfin, bref. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, pour faire la boîte intérieure, il va vous falloir un morceau de papier de 20,5 par 20,5. Et tout autour, je vais vous le marquer sur un papier. 20,5 par 20,5. La boîte intérieure. Et tout autour, vous allez marquer un pli sur les quatre côtés. Je range mon bazar à 6,8. Voilà. 20,5, 6,8 sur les quatre côtés. C'est tout bon. Ensuite, on va plier. On va couper. Alors, on coupe. Hop, on tourne. On fait juste un biseau sur l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va coller notre boîte. Alors, je vais faire moitié colle, moitié ça, parce que la colle, j'en ai pas préparé et je crois que je suis au bout du bout. On va faire moitié colle pour que ça aille plus vite.
Hop. On attrape et comme d'habitude, on se met bien bord à bord. Tac. Voilà. On va faire pareil sur l'autre. Allez, tu colles, ça colle, Anatole. Je passe devant vous, je fais comme chez moi, excusez-moi. On se met bien bord à bord, comme d'hab. Tu colles, tu colles, tu colles, tu colles, tu colles. Je vais mettre un morceau ici. Ah, cacahuète de cacahuète. Mais parce que je veux qu'en fait ça colle vite, donc c'est pour ça que... Ce que je n'entends, il veut dire, pourquoi c'est vite, tu lui mets de la... Tu mets du truc là qui roule. Ben, parce que je veux que ça aille plus vite, c'est pour ça. Pourquoi je mets du truc que je veux que ça aille plus vite. Je vais mettre encore de trucs que ça va plus vite. De la cacahuétasse. Hop. Allez, on se met bien comme il faut. Tac. Et notre petite boîte à l'intérieur, elle est faite. On va la mettre de côté et on viendra lui mettre un petit décor tout à l'heure. Hop. Alors, ensuite après. Il va vous falloir une feuille A4, mais bien évidemment, absolument, mais bien entendu. Alors, une feuille A4, donc qui fait 21, 29, 7, ok? Alors, il va falloir, en fait, sur les 29, 7, vous allez faire un pli. Oh là là, je suis en train de faire des bêtises, je saigne du nez. Je reviens. Désolée, je vous prie de m'excuser. Je suis vraiment désolée. Ça m'arrive des fois quand je prends de la morphine très haute dose. Donc, du coup, je m'en aperçois pas forcément. Donc, veuillez m'excuser. Donc, du coup, sur les 29,7, on va faire un pli à 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28. Alors, on va... un papier, ça c'est le carnet qui m'avait été fait par une petite abonnée. Hop. Donc vous avez votre hop. Sylvie, t'as pas plus petit comme papier des fois? Hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc vous allez faire un pli à 7 14 21 28, ok. Ensuite après vous allez faire un quart de tour et vous allez faire un pli, hop, à 6 7 14 et 15, ok. Ensuite, après, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous montrer mon cahier directement. Vous allez faire arrêt sur image. Hop, voilà. Tout ce qui est hachuré, c'est à découper. C'est tout bon? Voilà. Alors, du coup, on va prendre notre ciseau.
on a le petit ici 1 cm sur le côté. Alors, on va couper. Alors là, vous avez deux lignes, d'accord? Faites attention. Je ne le plie pas maintenant parce qu'il y a une ligne qui est marquée, mais en fait, on ne va pas la plier. Là, ici, on coupe. Jusqu'à la première ligne uniquement, d'accord? Là, je retire. Hop. Là, je fais pareil. Tac. Et je retire les 1 cm. Je coupe ça en premier pour pas vous induire en erreur après. D'accord? Donc, vous allez prendre votre règle. Donc, du coup, on a nos petites pattes là de 1 cm qui est en bas. D'accord? Vous allez prendre le premier carré qui est ici. Là, le premier pli extérieur, vous allez prendre ici la pointe et vous allez faire un trait ici vers l'autre angle, d'accord? On passe un carré, on prend le deuxième carré, d'accord? Le deuxième carré, on va faire la même chose. Tac, d'accord? Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Bon, bah, tu vas te mettre. On saute l'autre carré et on va faire sur l'autre carré. C'est pas un carré, c'est un rectangle. Voilà. Ok, c'est tout bon? Du coup, ce que l'on va faire, c'est que là, je vais vous faire un trait et comme ça, vous allez avoir tout comme il faut. Là, ici, le carré, on le retire. Là, le carré, on le retire. Vous allez voir, on viendra couper les petites languettes après. Ok ? Ensuite, après ça, on le retire. On va couper ici. Hop. Et on va couper ici. Et on va retirer tout ça. Là, on va faire la même chose. Hop. Hop. Je gommerai après. Mais bien évidemment, monsieur l'agent. Ok, c'est tout bon? Allez, go, on coupe. Et puis, bien évidemment, on coupe là aussi. Hein. Hop. Hop. Voilà. Allez, go. On coupe, on coupe. J'ai la bleu-bleu-tache. Vous savez pas ce que c'est la bleu-bleu-tache? C'est les mots que Sylvie elle invente. J'en ai plein de mots que j'invente. Ça fait du bien, on se sent un petit peu plus intelligent. Hop, voilà un côté, on fait l'autre. Vous allez me dire, celui qui est en train de faire un sapin de Noël, c'est fini Noël, hein? Mais non, je fais pas un sapin de Noël, regardez. Le sapin de Noël, c'est moi. Il ne manque plus que les boules, les guirlandes, le rafistolage. Hop, on plie pour avoir plus de place, pour pouvoir couper.
là, en avant. En avant marche. On coupe, on coupe, on coupe. Voilà. Ça, c'est fait. On va gommer tous les petits trucs que j'ai fait qui sont pas beaux. Parce qu'après, ça va se voir et c'est moche. J'ai papy et mamie, ils sont partis au lit. Et comme à la maison de retraite, pareil. Donc, papy et mamie, c'est les deux chiens des enfants, Hermès et Ivy. Alors, quand il arrive à 7h du soir, Hermès chouine à la porte de la chambre pour qu'on lui mette son lit. Voilà. Et ouais. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, après, il ne faut pas oublier. Alors, on va prendre nos petits 1 cm toujours ici en bas. Là, on va couper jusqu'à la deuxième ligne de pli. D'accord? Là, je coupe. Là, je coupe. Là, je coupe, là, je coupe, là, je coupe, et là, je coupe, d'accord? Donc, ce qui fait que là, je coupe, là, je coupe, là, je coupe, je l'ai fait après pour pas, en fait, vous induire en erreur. On fait les choses dans l'ordre. Tac. Tac. Et tac. Et bien évidemment, je vais regommer. Donc ça c'est fait. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir marquer les plis. Alors là, on marque pas sur le deuxième, hein, d'accord? On est bien d'accord. Hein, le deuxième pli, c'était juste pour faire un... Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est le premier qu'on marque pas. Ça y est, la quiche sort de ce corps. On marque le deuxième, mais pas le premier. Bon, c'est pas grave. Ça sera rattrapé avec le papier qu'on va remettre dessus. Bon, ouais, fallait bien qu'il y ait une cacahuète. Hein. De toute façon, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, voilà. On rouvre notre truc. Alors, maintenant, on va venir mettre des petits papiers. Alors, ce petit papier-là, c'est pour le cube. Voilà. Hop. Alors, il y a un côté... deux côtés, trois côtés, le dessous ou l'intérieur et un côté qui va être plus petit. Donc vous avez quatre qui font 6 par 6 et un qui fait 6 par 5. D'accord? Voilà. Hop, ça, c'est fait. Alors, en voilà un. Vous pouvez les coller avant, hein, avant de former votre cube, n'est-ce pas? Moi, je les ai collés après. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un 6, ça? Oui. L'autre petit, il est là-bas. Qu'on ne se trompe point.
Hop. Ça, c'est du papier que j'ai acheté chez Aux Arts il y a un moment et en fait je m'en servais pas. Donc du coup je me suis dit, allez, il faut peut-être s'en servir un jour. Et comme en ce moment j'ai envie de, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de beaucoup de couleurs. D'ailleurs, il va falloir que je m'habille en couleur. La couleur. Couleur, couleur. Attention au sens de votre papier. Je dis ça, je ne dis rien. Je n'étais pas en train de faire une bêtise, mais absolument pas. Hop, sur un côté, vous allez mettre le petit 6 par 5. On le place en haut. Hop, tac. Comme ceci, puisqu'après c'est notre boîte, sinon qui va tout cacher. Bon, je t'ai dit de passer, tu vas pas coller maintenant. Voilà. Non mais dis donc. Alors ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, non je ne suis pas folle. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dedans, parce qu'au fond, on s'en fout un peu, quoi. Après, vous pouvez en mettre aussi à l'intérieur de votre cube, si vous voulez. Je crois qu'il y en a un là-bas, les gars, qui va me... Il s'appelle Hermès, le truc là, qui est en train d'essayer de monter sur mon lit. Ni vu ni collu, je t'embrouille. Voilà. Je pense que vous êtes un peu loin. Je vais vous rapprocher de moi. Ensuite, après, on prend notre petite structure. Et du coup, là, il va nous falloir... Alors, 6 papiers de 6,5 par 6,5 et 2 papiers de 6,5 par 6,5 que l'on va couper dans la diagonale. Donc, moi, j'ai maté tous mes... Alors là, il faut que je fasse attention au sens du papier... Sinon, les mots, ils vont avoir la tête à l'envers. Alors, comment ça se passe? Tac, tac. Là, ça va se fermer comme ça. Je pense que ça, c'est en bas. Alors, je vais l'ouvrir devant moi. Du coup. Du coup, au milieu, ici, où il y a le petit 1 cm, c'est le haut. Et du coup, il faut que je le mette comme ça. Voilà. Où vous avez le 1 cm, c'est là, en fait, où ça va être votre repère. D'accord ? Du coup, vous allez tout mettre vers vous. Hein? M'avez-vous compris? Ceux qui n'ont pas compris, qui sont au fond de la classe, à côté du radiateur et de la baie vitrée, lèvent le doigt. Donc, j'ai dit que ça, ça serait comme ça. Donc, du coup, là, c'est le 1 cm qui est en bas. Tac. Du coup, ça fait ça. Du coup, là, je continue à le mettre comme ça ou je le mets dans l'autre sens. Je sais plus. Dans l'autre sens. Hop. Comme ça. C'est ça, hein.
et là comme ça, devant, là comme ça, et là dans l'autre sens. Oh bah oui, quand on prend un papier, avec des sens. Alors, on a dit que lui, il allait comme ça. Du coup, j'ai mis le 1 cm. Oh là, bah dis. Bah, tu fais quoi, là? J'ai mis le 1 cm en haut. Hein. D'accord. Non, il me plaît pas lui, mais il m'agace. Mon mari, il n'est pas rentré de la journée, il a dormi au restaurant. À midi, il a eu 130 couverts. Refusé, je sais pas combien, mais... Enfin bref. Donc là, ici, en dessous, on en met un. Alors après, j'en ai mis à l'intérieur, mais en fait, vous n'êtes pas obligé. C'est parce que moi, je trouve que c'est plus joli quand on ouvre la boîte que de voir en fait quelque chose de tout... Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, que je fasse pas de cacahuètes. Ça, c'est le 1 cm qui est en bas. Là, il faut que je mette dans ce sens-là. Pourquoi j'en ai coupé que deux pour mettre à l'intérieur? Hein? Pourquoi je n'ai coupé que deux? Ah oui, parce que là, il va y avoir le cube. Donc, du coup, je vais le mettre là. Donc, celui qui est tout en bas, on n'en met pas parce qu'il va y avoir le cube qui va, en fait, cacher. Donc, au-dessus, on en met un dans ce sens-là. Oh ben oui, à l'essence, il y a l'essence, hein. C'est comme ça. Ceux qui veulent pas de sens, ils prennent un papier qui n'a pas de sens. Hop. Et là, on fait ça. Tac. Voilà. C'est tout bon. Ensuite, on tourne notre papier. Ici, on a le petit 1 cm et là, maintenant, on va coller nos petits triangles. Alors, en fait, ils vont aller hein, sur le petit pli qu'on a fait. Voilà. Alors, ils ne vont pas être très... mais vous allez voir, quand ça va fermer la boîte, en fait, c'est un peu pour ça que c'est comme ça. Hop. Voilà. Non, bah peut-être pas là, Sylvie. Hein? Oh! Peut-être pas que ça ne se met pas comme ça, le triangle. T'es où à l'école? Au fond de la classe, à côté du radiateur et de la baie vitrée. Et l'été, on en trouvait la baie vitrée et on appelait par la baie vitrée. Et on nous disait dehors, dehors. Ok, j'y vais. Je vais dehors. Mon truc, il est à l'envers. Eh bien, on s'en fout. Ce n'est pas bien grave. Mets-toi bien. Bien droite. Voilà. Et on fait le dernier. Et après la déco, je vais mettre de la couleur. Mes amis, vous allez voir ça. Je veux de la couleur, je veux de la couleur.
Allez, mets-toi bien. Tac, voilà. C'est tout bon. Maintenant, on va coller notre petite boîte. Alors, c'est pas bien compliqué. Ici, on va coller notre triangle et on viendra couper après les petits morceaux qui sont là. D'accord ? Donc, on met de la colle sur le triangle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moite, moite. Même si ça colle hyper bien, je vais remettre un peu de colle. Hop, on se met bien bord à bord. Hop. Tac. On fait pareil ici. Tu l'aurais fait avant, Sylvie, que ça aurait été pas mal quand même. Ah, n'est-ce pas? Hop. Ben oui, évidemment, évidemment. Heureusement que j'avais les loulous chiens aujourd'hui. J'ai été un peu au resto. J'aurais filé un coup de main. J'étais en cuisine avec mon mari. Oh là là, ça faisait longtemps. C'est... Écoute et tais-toi. Ok. Et après, on va faire ici, ici. Écoute et tais-toi. Heureusement qu'il y avait Laetitia qui était là, parce que moi, je ne savais pas où se placent les affaires. Après, je ne savais pas non plus, en fait, les repas, les plats. C'est quoi qui va avec? C'est quoi qui va avec? Bah, tu ne connais pas ta carte? C'est-à-dire que... si, en fait... Mais comme je viens pas souvent, non, en fait. Bah là, c'est lui, t'aurais mieux fait de fermer ta bouche. Et ouais. Ça fait. Et là, on va venir coller dedans à l'intérieur. On peut mettre une petite... comment ? Je vais mettre un petit morceau de papier. Donc je disais, ça fait Mathieu, il a 30 ans. Donc c'est pas le papa de Mathieu, mais il l'a adopté à l'âge de 25 ans. Magnifique cadeau, parce qu'on n'a pas d'enfant tous les deux. Voilà. Je vous raconte ma vie le temps que je colle. Hein. Comme je ne fais pas d'accéléré. Et du coup, ça fait 32 ans qu'on bosse ensemble. Alors, on coupe le petit triangle. Et à des fois, après, il faut savoir faire la part des choses. Hein. Quand on rentre, c'est fini. Terminé. On laisse tout dehors. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Je sais pas s'il y en a qui bossent ensemble, mais c'est ce qu'il faut faire. Sinon... On se prend la tête tout le temps. Et lui, il a dit ci, et lui, il a dit ça. Et lui, il a fait comme ci, et lui, il a fait comme ça. Allez, va mettre. Pourquoi tu ne vas pas te mettre? Tu vas m'agacer, Georges. Hein, ben voilà, ça y est. Du coup, vous voyez ce que je vous disais? Du coup, c'est bon. Bon, ça ne fait pas trop top top. Mais vous pouvez le recouper si vous voulez. C'est pas... Moi, ça me gêne pas. Mais vous pouvez le recouper un petit peu si vous voulez. Moi, ça me dérange pas trop. En fait. Voilà. Moi, ça ne me dérangeait pas. Ah ben je sais pourquoi ça gêne. Il manque de la colle là. Hop.
ben voilà, maintenant ça va plus gêner. Voilà. Je disais que du coup, devant, là, j'aime pas du tout. Donc du coup, je vais me prendre un petit morceau de papier de 1,2 par 6,5. Est-ce que j'aurai ça là-dedans? 1,2 par 6,5. Bon, ça va le faire. Alors, 1,2 par 6,5. Nickel. Hop. Et voilà, notre boîte, elle va être terminée. Vous voyez, elle n'est pas compliquée à faire. Je la trouve sympa, moi, toute mimi, toute mignonne. Hop. Donc, du coup, bah, il a fini. Il était 5 heures. Le temps de rentrer, il faut repartir pour 18 heures. Donc, du coup, il m'a dit, je dors là-bas. On a un lit au bureau et... au cas où si on a un employé qui n'est pas bien, on ne le renverra pas chez lui. S'il a de la fièvre, il reste au resto. Je ne veux pas qu'il prenne la route. Du coup, on a mis un lit. Et puis aussi pour moi, quand je ne suis pas bien, en fait. Voilà. Bon, arrête de raconter ta vie, toi. Hein, tu prends le truc du bon côté. Tu mets le cube dedans, que juste s'il veut bien rentrer, le cube, voilà, donc du coup, vous voyez, ça ne servait à rien de le mettre jusqu'en bas, le cube est ferme, et puis on va décorer le cube. En plus, je trouve ça marrant parce que les gens, ils ne voient pas l'ouverture en fait. Après, vous pouvez mettre un petit truc hein, pour l'ouverture. Voilà. Alors, du coup, j'avais des petits trucs qui m'avaient été envoyés. Bah oui, je me sers de tous les petits trucs qu'on m'envoie. Alors, j'ai une amitié si belle. Donc, je voulais le mettre là devant. Hop. D'ailleurs, ça... Donc, une amitié si belle, il faut mettre des trèfles à quatre feuilles, je disais. Je ne sais pas pourquoi la caméra, elle s'est arrêtée. J'en sais rien. Alors, je remets de la colle. Hop. Alors, je vais aller voir quelque chose.